Eh bien, salut tout le monde, c'est Pokélar35 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Super Smash Bros. Sur Nintendo 64. Enfin là, je joue sur émulateur. Donc on va faire un P-Mode. Je suis pas très très bon, mais en même temps on est sur émulateur, je suis sur un clavier de souris. Alors donc moi je vais prendre un, je pense que certains s'en doutaient. Voilà. Merde. Donc faut que je reprenne l'habitude un petit peu. Donc c'est une petite vidéo détente comme ça. C'est vraiment très détente. Bon, ça va, c'est simple, il n'y a pas tellement de touches. Tonton Franck, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu fais un full set de la N64, donc petite dédicace à toi. Oh merde, ah, bien joué. Je sais, c'est le premier niveau, je vais me faire tâter, mais là on est sur... Un clavier, bon non plus, c'est pas injouable. Hein. Putain. Oh, je me fais niquer, littéralement. En bas, j'ai gagné. Ça va, ils sont assez faciles à éliminer. Ça va, c'est des Yoshi, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, dites-moi si le son est bien. Hein. Parce que je peux pas savoir si le son... Viens par là, toi. Donc, on va se la faire à l'arcade. Dès que j'ai perdu toutes mes vies, bah... On arrête, hein. Alors, j'essaie... Faut pas trop que la vidéo dure trop longtemps quand même. Alors, on est contre Fox là. Quand même, le jeu pour la N64, il est assez joli. C'est vraiment assez joli quand même. Je trouve que la N64 a des meilleurs graphismes que la PlayStation 1 dans cette génération. C'est vrai que Nintendo a toujours fait du bon boulot au niveau des graphismes. Bon, sauf pour la Wii quoi. Que... C'était du grand n'importe quoi, c'était du GameCube. Hein. Je suis désolé mais de le dire, mais la Wii, pour moi, c'est pas une bonne. La meilleure console de Nintendo, ça sera jamais la meilleure console de Nintendo. Certes, elle a des bons titres, mais GameCube est beaucoup mieux pour moi. La GameCube, je pense que s'ils auraient pu encore la garder, Nintendo. Peut-être en faisant quelques mises à jour ou en faisant une nouvelle version pelée sur internet avec les fonctions de la Wii par exemple. Mais... Oula putain. Excusez-moi pour le petit gros mot. Je joue très mal au jeu. Hein. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer?
Attendez, il y a un petit problème. Oh là. Attendez, excusez-moi. Ah voilà. Il y avait un sous-saille. Excusez-moi du petit problème technique. C'est juste que j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Et on l'a vaincu. Breath of, putain, je sais pas jouer moi ça. Ça, c'est marrant. Ah bah on peut pas tout réussir dans la vie, hein. Alors, je suis avec Donkey Kong en allié, donc c'est plutôt cool. J'aime, là c'est un personnage de Nintendo que j'apprécie beaucoup, Donkey Kong. Nintendo 64, c'est un peu une console de mon enfance parce que je l'avais avant. Enfin, je crois que je l'avais. Ouais, il me semble que je l'avais. Et je crois qu'on avait ce jeu-là. On en a vaincu un. Ouais, putain. Donc là, on est en mode classique, hein. On est un peu dans le mode arcade. Oh putain, la musique. Magnifique musique. Cette musique me parle. Oh la vache. Ah ouais, tu veux jouer ça, toi? Oh putain, je crois que je vais me faire niquer, les amis. Putain, mais si seulement j'avais la N64 pour y jouer à ce jeu. Je vous jure, il me fait baver ce jeu. Les Smash Bros, j'ai trop envie d'en avoir un. Hein. Problème, c'est là, j'attends avec impatience le prochain Super Smash Bros qui va sortir sur 3DS et Wii U. Et malheureusement, bah les amis, on a perdu. Bon, bah non. Over. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo rétro. J'espère que ça vous a plu, hein. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.